Alors, on passe à la question 2A. Alors, dans cette question, on vous demande de montrer que x moins y égale 2a. On a, c'est bien, on a x moins y égale à quoi? X, c'est 7 divisé par racine de 2 moins 1, plus, pardon, moins 7 divisé par racine de 2, ici on a plus 1, ici on a moins 1. Alors on va appliquer, oui? X, j'ai remplacé X, le premier. X, c'est 7 sur racine de 2 plus 1. Y, c'est, voilà, c'est ça. Ici, on a 1. Donc, on va appliquer la propriété qui dit quoi? A plus B plus ou bien moins C sur D égale quoi? C'est AD moins BC divisé par BD. Donc, ça va donner quoi? Ici, c'est 7 fois racine de 2 moins 1, moins 1 fois ça fait racine de 2 plus 1, entre parenthèses, divisé par racine de 2 plus 1, facteur de racine de 2 moins 1. Vous avez ici une identité remarquable. Ça va donner 7 racine de 2 moins 7, moins racine de 2 moins 1, divisé par racine de 2 au carré moins 1 au carré. Donc finalement, on trouve 6 racine de 2 moins 8 divisé par ici 2 moins 1. Donc finalement, on factorise par 2 en haut. Ça va donner quoi? 3 racine de 2 moins 4. Bien sûr, ici, on a 1. On divise par 1, c'est 1. D'où x moins y égale 2 fois 3 racines de 2 moins 4. Mais 3 racines de 2 moins 4, ce n'est rien d'autre que a. Donc, c'est égal à 2a. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va comparer la question 2B, comparant x et y. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a x moins y égale 2 fois a. Maintenant, pour comparer x et y, il faut étudier le signe de x moins y, c'est-à-dire il faut étudier le signe de 2a. Or, 2 est évidemment positif et a, on a montré dans la question B ici qu'il est positif. Donc, 2a est strictement positif. D'où, x moins y est positif. Donc, finalement, on a x est strictement supérieur à y, puisque la différence entre les deux est positive. Donc, x est strictement supérieur à y. C'est une transformée le moins y à l'autre côté pour avoir cette égalité. Alors, grand 2, ordre et opération. Soit A et B, deux entiers naturels, et C, la même chose, il faut prendre un autre C ou C appartenant à N. Non. Pourquoi A et B, deux entiers naturels? Non. Il faut prendre, s'il vous plaît, soit A et B, deux réels ici. Donc, il faut effacer ça. Il faut écrire soit A, B, C et D, 4 réels. D'accord? Donc, corrigez ça, s'il vous plaît. Alors, si A est strictement inférieur à B, alors, si on ajoute. Alors, si vous avez par exemple ici, c'est A, et ça, c'est B. D'accord? Donc, évidemment, A est inférieur à B. Si on ajoute la même quantité,
ici, la même quantité ici. Donc, bien sûr, A plus le C qui est là est strictement inférieur à B plus le C qui est là. La même chose, si on a A inférieur à B et C inférieur à D, si on ajoute A plus C, elle reste inférieure à B plus D. D'accord? Alors, pour A, montrer que A égale. Alors, nous, on a quoi? A égale 7 plus racine de 5. Donc, s'il vous plaît, pour simplifier les nombres comme ça, et c'est normalement, il faut utiliser la décomposition en facteurs premiers. Par exemple, x est 5 est le premier, on va laisser 5 tel qu'il est. Mais 45 égale 9 fois. Donc, si on fait la décomposition, on trouve 3 au carré fois 5. D'accord? Plus, si on effectue la décomposition en facteur premier de 125, on trouve 5 à la puissance 3. Donc, finalement, ça va donner quoi? 7 plus racine de 5, moins 3 racine de 5, plus 5 racine de 5. Donc, on factorise ici par... Donc, ça va donner quoi ici? 5 moins 3, ça fait 2. Donc, c'est plus 3 racine de 5. Donc, ce qu'il fallait démontrer ici. Alors, pour B, donc il s'agit d'une identité remarquable. Donc, il suffit de développer suivant l'identité remarquable. Donc, ça va donner quoi? 2 au carré plus 2 fois 2 fois racine de 3 plus... fois racine de 3 au carré. Donc finalement, on trouve 3 plus 4, ça fait 7, plus 4, racine de 3. D'accord? Donc ce qu'il fallait démontrer. Oui. Oui. Oui, c'est racine de 5. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit la propriété? Donc, si on a A strictement inférieur à B, ce C donne quoi? A plus C inférieur à B plus C. Ça veut dire, pour comparer deux nombres qui s'écrivent sous la forme d'une somme, donc on peut, pour comparer ça, puisque normalement C se répète ici, il suffit de comparer A et B. Donc, nous, on a quoi? On cherche à comparer A et B. Mais ici, on a le même nombre qui est là. Donc, il suffit de comparer quoi? Voilà, il suffit de comparer 3 racines de 5 et 4 racines de 3. Mais 4 racines de 3 et 3 racines de 5, ce sont deux nombres positifs. Donc, il suffit de comparer leur carré. Donc, on va écrire quoi? Pour la question B, on a 3 racines de 5. Au carré, ça fait combien? 3 au carré fois 5. 9 fois 5, ça fait 40. 45. Et 4 racine de 3 au carré. Oui? 16 fois 3, ça fait 48. Or, 48, il est strictement supérieur à 45. Donc, 4 racine de 3 est strictement supérieur à 3 racine de 5. Donc, vous avez le choix. Ça revient au même. Donc, conclusion. D'où, on va faire quoi? On a 4 racine de 3 strictement supérieur à strictement supérieur à 3 racine de 5. Je vais ajouter quoi? 7. 7 plus ça, 7 plus ça. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Ça, c'est quoi? C'est-à-dire que ça, c'est quoi? C'est B. Donc, B est strictement supérieur à A. C'est-à-dire A est strictement inférieur à B.
Ça marche? Alors, si on a, bien sûr, s'il vous plaît, si on a A inférieur ou égal à B, par exemple, si on a, par exemple, ici, moins 2, inférieur ou égal à 3. Alors, si on multiplie par exemple, un nombre strictement positif, 4, si on multiplie ça fois 4, ça donne combien? Moins 8. Si on multiplie ça fois 4, ça fait 12. Alors, il faut faire attention. De là à là, on a multiplié par quoi? Par 4. Mais si on multiplie par moins 4, ça va donner quoi? Ça va donner quoi déjà? 8. Ici, moins 12. Donc, Marseille, je lui avais le sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a un nombre négatif, il faut changer l'ordre de l'inégalité. D'accord? Donc, si A inférieur ou égal à B, et C positif, pas de problème, A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Mais, si on a A inférieur ou égal à B, et si on multiplie par une quantité qui est négative, donc il faut inverser l'ordre de l'inégalité. D'accord? Maintenant, si on a A inférieur ou égal à B, et C inférieur ou égal à D, en général, on ne peut pas multiplier A fois C et B fois D, sauf si tous les nombres sont positifs, ce qui est schématisé par le signe qui est là. Donc, par exemple, si on a 2 inférieur ou égal à 3, et si, par exemple, 4 inférieur ou égal à 5, le produit, 2 fois, ça fait combien? 2, 15. Donc, s'il vous plaît. Donc, il faut multiplier les membres de l'inégalité, membre par membre, pas de problème. Mais, si vous avez des quantités qui sont comme ça, par exemple, moins 4, ici, si vous avez, par exemple, moins 2, alors, qui est le plus petit moins, voilà. Ici, par exemple, je vais écrire moins 4 est inférieur ou égal à moins 2, c'est ça? D'accord? Et si on fait la multiplication, ça donne ici 8, mais ici, moins 6. Ça ne marche pas. Donc, bien sûr, on n'a pas une règle. Donc, normalement, si vous avez tous les nombres positifs, vous pouvez effectuer le produit, pas de problème. Mais si vous avez des nombres positifs et d'autres négatifs, on ne peut rien dire. Toutes les situations sont possibles. Oui. Donc, si tous les nombres sont négatifs, c'est une question importante, on peut effectuer le produit. Mais, comment? Il faut inverser l'ordre. Donc, si vous avez, par exemple, A inférieur ou égal à B, mais ça, c'est négatif. Et C inférieur ou égal à D, et ça, c'est négatif. Donc, on peut multiplier par moins. Ça va donner moins A, c'est plus égal à moins B. Et bien sûr, ça, c'est positif. Et moins C, c'est plus égal à moins D. Ça, c'est positif. Alors, de là à là, j'ai multiplié par moins 1. Et bien sûr, de même, de là à là, j'ai multiplié par moins 1. Alors, si j'effectue le produit, moins A fois moins C, ça donne AC. Si moins B fois moins D, ça donne BD. Donc, si les nombres sont tous négatifs, je peux effectuer le produit, membre par membre, mais il faut inverser l'ordre de l'inégalité. Alors, c'est bien. Alors, pour comparer A et B, il suffit de comparer 4 racines de 3 et 5 racines de 2, ou bien, donc, et pour comparer ces deux nombres, il suffit de comparer leur carré. Alors, pour la question A, pour la question 1A, comparaison de A et B. On a 4 racines de 3 au carré, ça fait combien? 48. Et 5 racines de 2 au carré? 50. Donc, et comme 50 est strictement supérieur à 48, alors, conclusion,
5 racine de 2 est strictement supérieur à 4 racine de 3. Et on ajoute C. D'où C est égal à combien? 7. Donc c'est 7 plus 5 racine de 2 est strictement supérieur à 7 plus 4 racine de 3. D'où. Donc finalement, ça c'est quoi? Ça c'est A. Non, c'est B. Est strictement supérieur à A. Ça marche? Voilà. C'est ça. On a AC égal. Je remplace. A c'est quoi? 7 plus 4 racine de 3 fois 7 moins 4 racine de 3. Alors, il s'agit d'une identité remarquable. Donc, ça va donner quoi? 7 au carré moins 4 racine de 3. Le tout au carré. Donc, 49 moins 40. Moins 48. Ça va donner 1. Donc, conclusion, à quoi est égal A fois C égale à 1. Alors, conclusion. Que représente C par rapport à A? C'est l'inverse. Oui. Puisque normalement, le produit fait 1. Donc, C, normalement, c'est 1 sur A. C'est l'inverse de C. Si on vous demande de vérifier que C est l'inverse de A, il suffit de multiplier A par C par A pour et retrouver 1. Oui, je suis bien. Pour la question C, on déduit que BC est strictement supérieur à 1. Nous, je n'oublie pas la question A. On a montré quoi? On a, d'après la question 1A, je n'oublie pas. B est strictement supérieur à A. Et comme on va multiplier par C, mais C, il est comment C? Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Pour le C. Et comme C égale combien? C, c'est l'inverse de A. C'est égal à 1 sur A. Mais A, il est comment? Il est positif. Donc ça, c'est positif. Est-ce que vous remarquez? Donc ici, normalement, directement, c'est pas évident que C est positif. Mais à partir de cette égalité, A fois C égale 1, donc on conclut quoi? C égale 1 sur A, mais A, il est évident qu'il est positif. Donc, on va multiplier cette inégalité par C. Donc, B fois C est strictement supérieur à A fois C. Sans changer l'ordre de l'inégalité. Pourquoi? Puisque le C, c'est positif. Mais A fois C égale combien? On a montré que A fois C est égal à 1. Donc je vais remplacer ici A fois C par 1. Donc BC égale strictement supérieur à 1. D'où le résultat qui est là. Ça marche? Alors, on a 8 moins D. Je remplace D par l'expression qui est là. C'est 8C moins C au carré divisé par 2. Donc, ça va donner quoi? 16 moins 8C plus C au carré divisé par 2. Ça, c'est une identité remarquable. C'est rien d'autre que C moins 4 au carré sur 2. D'accord? Oui? Il faut que tu aies 1.
2 fois 8, ça fait 16. La propriété de A sur C, moins B sur D. Je peux dire, il y a AD, moins BC sur CD. Donc, il y a un décret à la ouais. Donc, 8 fois 2, ça fait 16. 1 fois 2, il y a un décret de moins de la dessus, il y a un décret entre parenthèses. Mais le redref moins, il y a un décret. Vous voyez, l'identité remarquable, si au carré moins 8, c'est plus C, réel. Donc, il y a la question 1. Maintenant, comment montrer que D est compris entre 0 et 8? Alors, ça c'est la question A. Pour la question B, on a 8 moins D. Donc, 8 moins D égale combien? On a C moins 4 au carré. C'est positif. Si on divise par 2, il reste positif. Donc, 8 moins D, il est comment? Il est positif. D'où D est inférieur ou égal à 8. Maintenant, il reste à montrer que D est positif. D est strictement supérieur à 0. Donc, D est strictement supérieur à 0. On va utiliser l'expression de... Donc, 8 moins C, il est comment? C, on a déjà dit que C est strictement positif. On a montré que C égale 1 sur A est strictement positif. Mais 8 moins C, et 8 moins C, il est comment? 8 moins C, c'est-à-dire 8 moins 7 plus 4 racine de 3 est égal à 1 plus 4 racine de 3. Il est strictement positif. Donc, C est strictement positif et 8 moins C est strictement positif. Et si on divise par 2, il reste strictement positif. Conclusion. Donc, alors je vais écrire ici. Donc, D est strictement positif. D'où, finalement, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que D est strictement inférieur ou égal à 8, pardon, est strictement supérieur à 0. Ce qu'il fallait démontrer.